السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette séance, je vais vous présenter un modèle de contrôle numéro 3, le dernier contrôle du deuxième semestre, physique-chimie, la deuxième année, collège BIOF. Exercice numéro 1, répondez par vrai ou faux. Les récepteurs domestiques sont montés en série. Tension entre fil de taré, le fil neutre, et 220 volts. L'axe vertical dans l'écran de l'oscilloscope et l'axe de la tension. La tension entre les bornes de prise de courant domestique et alternative. Deuxième question, complétez les phrases suivantes. Le symbole de est AC, le symbole de la période I et de l'unité internationale I, l'axe horizontal dans l'écran I, l'axe 2, D mesure l'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Troisièmement, cochez la bonne réponse. L'unité internationale de temps I, volt, ampère ou bien division, c'est un interrupteur général ouvre le circuit quand l'intensité dépasse une valeur maximale. Disjoncteur ou bien compteur ou bien le transformateur. Tension continue, I est une tension constante avec le temps, ne change pas avec le temps, change avec le temps. D, la relation entre U maximale et U efficace, I, U maximale égale 1,41 U efficace. U max sur U efficace égale 1,41, U efficace égale 1,41 fois U maximale. Exercice 2. Le courant électrique domestique de tension efficace, U efficace égale 220 volts et de fréquence F égale 50 Hz. Calculez la tension maximale, U max, de cette tension. Deuxièmement, calculez la période de cette tension. Deuxièmement, on a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope ou bien un oscillogramme. On a la sensibilité verticale SV égale 10 volts par division. Yani chaque division représente 10 volts. Et la sensibilité horizontale réglée sur la valeur SH égale 10 millisecondes par division. C'est-à-dire chaque division représente 10 millisecondes. Déterminez la nature de cette tension et justifiez votre réponse. Calculez la valeur maximale UM de cette tension. Calculez la période T de cette tension en secondes. Calculez la fréquence F de cette tension. La tension alternative sinusoïdale. 4 il يدور بعد الميزات التوتر القصوي التوتر الفعال الدور ثم التردد هذو خاصكم تكونوا ضابطينهم وعارفين كيفاش كتحسبوهم سون بروبليم. Cinquièmement, calculer la valeur efficace U efficace de cette tension. On passe à l'exercice 3. On a l'image 1 d'une prise de courant électrique, lampe de tournevis testeur s'allume dans le fil 2 et ne s'allume pas dans le fil 3. Déterminer le fil neutre et le fil phase. Et dans l'image 1, la phase neutre avec le testeur, tournevis testeur. Deuxièmement, on mesure tension efficace entre le fil de courant électrique
Donnez le nombre de l'appareil pour mesurer la tension électrique. Donc, je n'ai l'appareil, je ne suis pas. Il peut presser les notes autour du carabaï. B. Depuis l'image, de déterminer le nombre de fils. Et dans l'image, il y a trois couleurs. Il y a le vert, ou le bleu, ou le rouge. Et dans à travers la couleur de chaque fil, on va déterminer le nombre de dialogues. Et dans C, donner la valeur de la tension entre le fil phase et le fil neutre. Aussi la valeur de la tension entre le fil phase et le fil de la Terre, le fil de la Terre et le fil neutre. Chacun a la valeur de la tension. Et donc, je vous souhaite de يعني الانستالاسيون الكتريك دوميستيك مع لا طونسيون الكتريك الترناتيف. من بعد غادي نديرو التصحيح باش تكون الاستفادة. اذا اللي عنده شي تعقيب او اضافة في كومونتي في لا فيديو، وما تنساوش تابوناو في القناة باش يوصلكم الجديد ديال القناة.